L'arbre à palabres. Aujourd'hui, je me fais défenseur de l'arbre à palabres qu'on appelle baobab et que son fruit on appelle sous d'autres cieux pain de singe. L'arbre à palabres a disparu sous d'autres cieux et particulièrement chez nous ici à Kinshasa. On en trouve rarement. L'arbre à palabres qui était plein dans nos villages, on ne le voit plus. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui êtes habitués de cette mission, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'attention que vous accordez à cette émission. Et surtout, merci parce que Dieu vous met à cœur de mettre tout ce que nous vous donnons comme conseil sur le plan nutritionnel, comment bien manger pour être en très bonne santé, comment prévenir certaines maladies, comment éviter certaines maladies, qu'est-ce qu'il faut manger pour ne pas avoir des problèmes régulièrement, pour que la famille soit en très bonne santé. Comme je venais de le dire tout au début, aujourd'hui je veux vraiment défendre l'arbre à palabres que nous appelons baobab. Je me rappelle dans notre enfance, nous l'avons consommé en désordre. Et moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, en famille ou seul, avec mes collègues aussi, nous les consommons de toutes les manières. Parce que c'est un arbre qu'on ne trouve presque plus à Kinshasa. J'étais quand même choquée parce qu'aujourd'hui, j'essaie de faire une étude environnementale. Beaucoup ont confessé qu'ils avaient le baobab dans leur parcelle, mais qu'ils l'ont coupé. Simplement parce que c'était trop gros. Non, c'était juste la limite de notre parcelle. Je ne voulais pas perdre un mètre ou deux mètres de ma surface. J'étais obligée de le couper. Et puis, d'autres qui en avaient dans le champ, ils l'ont massacré. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Et moi, j'appelle ça vraiment un génocide volontaire. Alors, Dieu n'a rien créé au hasard. Dieu n'a rien créé pour le plaisir. L'arbre à palabres dans nos villages, c'est là où les ancêtres se réunissaient. C'est là où nos parents, nos grands-parents se réunissaient pour palabrer, au cas où il y a un problème au niveau du village et qu'ils doivent résoudre. C'est là où s'étaient les réunions du village. Donc, ils s'asseyaient sous le baobab. C'était vraiment ça, leur bureau. C'était ça qui représentait leur parlement. Donc, les anciens, tout ce qu'ils avaient comme problème, ils se retiraient sous un baobab, ils s'asseyaient, ils causaient et puis ils trouvaient la solution au problème. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. C'est très, très rare de trouver le baobab parce que nous n'avons peut-être pas fait attention que c'était un arbre important. Une richesse que Dieu nous a donnée, encore une fois de plus pour la nature, que ce soit pour les animaux comme pour les humains. Parce que si sous d'autres cieux, son fruit s'appelle pain de singe, c'est parce que le singe, on nous a enseigné, il paraîtrait que nous ressemblons au singe. Le singe le consomme en désordre. Et moi j'aime bien le consommer parce que c'est parmi les produits de base qui m'avait soigné à un certain moment quand j'ai eu un problème de santé, un problème avec mon genou. C'est parmi le produit de base qui m'avait aidé. Comment on peut consommer le baobab? Ça se vend devant nos écoles. J'encouragerais les parents d'acheter ça pour leurs enfants et surtout ceux qui sont en âge de croissance. Achetez-les. Ça se consomme comme ça. J'en ai voilà, une graine. Ça se consomme. Les enfants aiment bien le consommer avec du sel et un peu de piment. Si vous ne supportez pas trop l'aigreur, vous pouvez ajouter un peu de sel quand vous le consommez comme je viens de le consommer. Sinon, vous pouvez le mettre dans vos laits. Vous faites le matin, vous prenez une cuillerée à café de baobab, vous ajoutez, vous tournez et vous serez béni. Ça vous donne le goût un peu comme du citron. Donc vous serez béni, vous pouvez le consommer dans vos tisanes. Vous prenez dans une tasse une cuillerée à café, vous ajoutez dans votre tisane, ça va vous faire un goût agréable.
Vous pouvez le mettre dans vos yaourts. Vous avez un pot de yaourt. Vous ajoutez un peu de poudre de baobab. Vous serez béni. Ça va améliorer encore plus les goûts. Vous pouvez aussi faire le jus. Moi, au bureau, j'aime bien m'amuser à faire du jus pour le prendre avec les collègues. Donc, ça nous aide pendant la journée à nous ravitailler un peu en énergie et dans tout ce que nous avons besoin pour notre santé. Donc, bandeko balandi lelo tolo belikambo ya baobab. Baobab mona na rasusute. Baobab komi koli mona Kinshasa. Baobab komi passé. Surtout année passée na souffré pendant zwa baobab parce que et komi très rare. Mais qui est le tour de Kinshasa, c'est que les gens sont mingi et katama. Mais tout le monde est en train de se faire. Bon, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils sont juste à la limite de la clôture. Alors, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Et puis, ils sont en train de se faire. Oh non, ils sont en train. Bref. Baobab azana difficulté mon kwa ko sala kanate baobab ko mikolimwa baobab salibino nini na bamboka na biso soki to revoir histoire bomona ke ba mikolo ezaki esika babandaki ko vanda soki likambo ezana mboka soki likambo ezana famille ba vandi na se anzete a baobab baza ko sololo baza ko bongisa makambo baza ko planifier donc ezalaki lokola parlement na bamboka na biso. Mais les lots à peine, hein? Donc bambou comme ça qu'on circulait au moment dans l'état baobaté. Oh, et cela qui est l'eau très important au Nzambe à Sala pour la utilité. En dehors, cause à la parlement, la bambou canabiso et sous ma cabisse au pémacas. Au coquille collier, au coquille que ça la gine en haut, nini, n'était pas en dengezali. Au coquille matiti nango, misisa nango, poso nango. Mbumanango nyonso en tout cas eza utile pour la santé côté mususu matiti nango balia kango lokola ndunda bandeko na biso mikili na poto bayaka kozwa yango soki na mboka o ezalite bayaka kozwa ba feuille wana basalela kango bakisi penda osoma na pharmacie pona kosone maladi songolo pakala bakoki kosalela ngo pe basalaka bakisi mususu na matiti ya baobab. Matita baobab pa kolia ngo lokola ndunda ba jeune feuille hein ba jeune feuille do ba feuille e komeli pena makasi te okoki kolia ngo lokola ndunda na meka je vous assure ezaki kitoko makasi okoki pe komela ngo lokola tisane sala ngo pe lokola ti omeli okopambolama donc baobab ko banana racine nango ozomata ti na tron na ye ti na mbuma na ye na makasa na ye donc nzamba sala loko par hasard te. Nzambe pe asala biloko bisalela mwanza te keke bo na sali kaka evanda nango non et puis biso siko na mokili comme je l'ai toujours dit to zongela nature parce que la nature elle-même c'est Dieu. Nature est nzambe. Pourquoi tokata kabanzete bikatela pourquoi ozana arbre fruiti oyo lonate osombelo pango kutani na nzete moko songolo balonela yo. Okati yango parce que ozana ba raison na yo. Non, arrêtons de massacrer les arbres. Et lokolokola baobab. Na munene nango, o elege munene to kati yango. Ah! Siko nzambe tango sala ki baobab ezala munene modèle wana. A mona kati ke ko déranger lo pangu na yo. Kaka yo nde muto monike, bon, ezo déranger na mabela tata nzambe te, mais ezo déranger kaka yo. Ezo tata nzambe tango na pesu a lobi non. Moi, j'ai eu un problème à un certain moment, mais c'est quand même regrettable. Donc, je voulais vraiment plaider pour le baobab. Arrêtons de le couper et si possible de le multiplier, multiplions. Bah, tout le monde se dit, oh non, maman, on est limité comme multiplier. En gros, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, on a lié en gros. Parce qu'ils ont tant mingi pour nous ébota. On a lié en gros. Oh. Bon, oh, yo, yo, lié à Wana. Yom tolon en gros. Si vous avez une génération qui génération soutenue, vous avez une génération qui vous biso. Si vous avez vraiment une génération qui vous soutient, vous avez une génération qui vous soutient, vous avez une génération qui vous soutient,
tolongola na mentalité wana de dire non na kolona ngopo na nini na kolia yango te lokolo kolia yango te okokolona ngo te qui te dit que baoba eza aéroport à Bandoki du reste Ndoki c'est un esprit, le diable c'est un esprit. Et pourquoi devons-nous le valoriser? Est-ce que au moins pendant que esprit a besoin de te pour atterrir? Ce qu'elle n'y a atterri, il peut atterrir n'importe où. Koutouba, Moussous, Bazola, Narbazan, Bakro, Zalapé, Katinayo. Donc, seul Dieu sait. Je vais vous donner quelques secrets de Baoba. Je commence par le témoignage. Moi-même, j'avais connu un problème à un certain moment avec mon genou. J'avais fait un faux pas. En montant, je revenais de la ferme, je fais un faux pas. Et j'ai eu des sérieux problèmes avec mon genou au point que je ne pouvais même pas marcher. Il m'était difficile, j'ai fait un peu de massage pour m'aider juste à terminer à monter la montagne. Comme c'était une pente vraiment importante, j'ai terminé la pente, j'ai fait un peu de massage, j'ai terminé. Ce n'est que dans le véhicule que j'avertis aux amis que voilà, je viens de faire un faux pas. Et je marche, ils ont seulement remarqué que je boitais. Et il faisait nuit. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire, par où je vais commencer. Si je dois aller à l'hôpital, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va me masser? On va me mettre une plâtre? Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que j'ai à la maison? Alors je me suis dit, je sais avec le produit de base que j'ai. Et parmi les produits de base, j'avais le baobab, en grain, le fruit. J'arrive à la maison, je massacrais le baobab sérieusement parce que, connaissant le baobab, c'est un fruit qui est ce grain de son fruit. C'est un fruit qui est très riche en calcium. Il est riche en calcium, il a des vitamines, il a des potassium, il a tout ce que le corps a besoin et surtout pour les os. C'est très bon pour les os. C'est un antioxydant très puissant. C'est un énergissant, c'est parmi les fruits qui nous donnent aussi l'énergie. Ça renforce le système immunitaire. Et moi, le fait que je l'ai consommé en désordre, je dis produit de base parce que j'avais d'autres produits aussi que j'ai pris. Mais en tout cas, ça m'avait beaucoup, beaucoup soulagé. Au bout d'une semaine, je pouvais déjà marcher. Bien que je boitais un peu, mais déjà cette nuit-là, quand je le mangeais, en désordre, j'avais même oublié que c'est aigre, que ça pouvait déranger mes dents. Mais j'avais complètement oublié parce que j'avais besoin d'un soulagement. Donc, na lia baoba na tembe. Yango na zola ki sabino. Na lia baoba na tembe. Et na bekol na biso to te kakango. J'encourage. Et ça, biloko bana, bakoki ko lia ka régulièrement. O lia baki na ko lia biloko msusu. Na bino mo boebi. O bosombe la rabana. C'est parmi les fruits à encourager. Graines nango yango yo. Na loba ki kolongwa ni sisa nango ti na graine. Et ça important. Graines nango ngana tout takango. So na ngina sala soin ya suki nanga. Na tout yango. Na sangisi yango na matungulu. Na sali soin capillaire nanga na soigné suki nanga engengisaka suki kitoko. Soki okoki kokuta na mafuta nango, l'huile de graines de baobab, ça va vous aider na ba douleur articulaire, ko sala massage nango, za problème ya rhumatisme, za na problème songolo, za na problème pakala, okoki ko sala massage na huile de baobab, okoki pe ko pakola nango na suki, okoki ko sala nango ba soins capillaires. Osumukite. Okoki pe ko tafuna yango ndenga na tafuna yango parce que le col est riche en antioxydants. Na pesa bino posa. Le col est riche en antioxydants, en vitamine C, en calcium, en potassium, en manganèse et tout ça. Donc vraiment c'est un fruit qui est très riche. Voilà. Je le consomme donc na sumukite. C'est quoi problème toza na ngope lelo sur le marché et na lingana s'adresser quand même na ba maman ou bate kaka yango toza un peu plus attention parce que bisika ozo exposé yango poussière ezala mingi te na bike ba wenze na biso toza un problème akasi na bisika ya kote ka et tout mais en tout cas faites un effort que bisika ozo te ka baoba soki moyen ko couvrir yango ezali c'est un peu de couvrir parce que
Et comme à Kosomba Moussous au Kouta, Soko Sali a tant sauté Zana Zélo. Zana Zélo, c'est tout le temps la salle à Kango Ju, donc il faut vraiment qu'on manipule avec beaucoup d'attention, sinon, et Kokoma Nazélo. Puis même, bah ouais, Mike, Mike, on a toté que la cabane a 100 francs, 200 francs. Soko Sali a tant sauté la manipulation Nango. Au Kokuta, Moussousou Eza Nazelo. Alors, Eza Malamute, Eza Biloka Kolia, Eza Elokomoko très important pour l'organisme. Alors, tant que Zolia Yaboye, Ndenga Nazolia Yango, au Kouta Nazelo, que ça la bien été na mino et puis Ezo détérioré qualité Nango, Ezo quitté sa qualité Nango. Donc, Eza Malamute, il faut veiller na Biloko na biso Oyo, Toza Koteka. Baoba okoki kosala ngo pe poudre. Naza na poudre nango awa, ndeko na biso moko pamboli biso na poudre baoba. Oyo eza déjà prête à la consommation. A veiller à ce que ezala na mabelete. Donc eza vraiment 100% naturel. Parce que lelo peut comment la problème? Ya sangisa sangisa. Aboyi alingi intérêt belé. Musala mukie sangisa sangisa non bien-aimé. Tout ça, la rabilo qu'on a bolingo. Vraiment avec beaucoup d'amour pour nous amener à Pambolo. Si tout ça, bisous nous sur la togan, tout ça, chrétien. Tout ça, mais la rana, ça, mais la rama, au nom de Jésus, moi, comme qui sans effet au nom de Jésus. Mais est-ce que biloko tout ça, la ratote, car tout ça, là, on a bolingo. Dès qu'on a bisous tellement, quoi, les. A bête, ma barou ming, chaque fois, on a moiselle, on a Il faut vraiment filtrer, il faut faire beaucoup d'attention à raisonner. Est-ce que tu connais que ça la poudre dans mon dit? Il y a ça les poudres baoba. Poudre aussi quoi? Il est facilité de tout. Soko lingoli ango a pamba. Soko lingi ko melango ya ko melango nati. Aussi kaka lutu moko ya mukie. Otie yango. Nakati atasi na yo na yati. Au baloli, au meli, au moins le copes au goût qui tourne, le col est à vitamine C, et à la manga, au pesso mangou et angaï, au copain bolanzambe, surtout na elanga o et soi la psoba maladie, kili. Donc, parmi ba produits, on conseille bineza baoba, au lia yango, parce que, et qu'on soigne yope na mouto à outui hôpital. Mouto à hôpital, donc au sali pendant longtemps, au beli mingi. Nous autres lembi, aux assos na makasite, tu te sens vraiment faibli. Pourquoi ne pas utiliser la poudre de baoba? Au coco ça la pécure nango, 2 cuillerées à café 2 fois par jour. Donc au coco tiens on a tiné on a tongo ou bien à miliki ou bien à bas biscuit ou ce bozo ça nanda quoi un bilo connais ce bozo ça na bino nanda quoi. Au coquille au salé là en gros 2 fois par jour pendant 21 jours en tout cas et qu'au zongi ça yo et qu'au stimuler comment je peux dire guérison rapidement donc au zongi la santé na yo rapidement parce que bah éléments ils en akati surtout pendant mikuwa et qu'au sumo makasi et les amis qui ont régulièrement les problèmes des os mikuwa maman elle est mikuwa comme mikolemba bisoto comme mikolo mikuwa comme mikolemba yango baoba aza alié makasi ya mikuwa parce que azana calcium ebele pona bana oepe bazana problème ya constipation baoba ikosungaye kolia yango soka koka ko supporter mais ko exagérer pété parce que so exagérer kolia yango en poudre boye et ko salomine ngai o koma na difficulté à un certain moment ya kotafuna to même il y a qu'au brossé mine, il y a qu'au nika mine, il y a qu'au chocolat mine, et qu'au ngaïwana, il dérange quand même. Donc, on a un problème à constipation, baoba peut être qu'au sungayo, parce que azan riche n'a pas d'éléments nutritifs. Oh, le col est dans la vitamine C, belé, est-ce que ekoki ko bakisa acide nan zo tote? Non. Le baoba n'acidifie pas le corps. Au contraire, il renforce le système immunitaire. Donc, il n'a pas de dégâts. Jusque-là, on a enregistré l'effet secondaire. Maintenant, nous sommes dans le bac. Moutou, cerveau, na yo et sala. Parce que nous avons un peu de temps, mais il y a un peu pour raisonner, pour réfléchir. Donc, quand ça l'a rappelé, ma cambo, abusivement, il y a un peu de temps. Non. Ça, là,
tambusa mutuno tambusa mayele nayo senga na molimo santu saint esprit inspire moi je vais utiliser j'ai tel problème je vais utiliser les baobabs saint esprit inspire moi akoki pe ko inspire ba recette mususo biso to yebite akoki pe ko inspire yo ba vertu mususo biso to yebite ba secret mususo to yebite parce que dieu reste dieu tout ça c'est naturel tout ce qui est naturel je vous ai dit c'est dieu. Alors, on a un problème, mais moi, je n'ai pas de pamba. Il contient de le calcium, plus de calcium que dans le lait. Plus de vitamine C que l'orange. Donc, tout ce qui est la terre, ne massacrons plus le baobab. Et je vois encore là, pour sa combat, sa lutte contre la dénutrition. Le baobab lutte contre la dénutrition, donc bah nous avons un problème, il y a malnutrition, donc bah avant bah vitamine mingité nanzoto, avant un problème à croissance, baobab et kosungayo, makasi, donc il faut le prendre régulièrement. Et ça vous soigne aussi des douleurs articulaires, comme je viens de le dire. C'est un cicatrisant naturel, dans le bibanda, bah nani baba racine en haut jusqu'au feu. C'est important. Sève nango. Natango za na pota sève nango. Natango zoki sève ukati mai nango otangisi na pota c'est un cicatrisant naturel. Donc akosungo makasi. Ba feuille nango pe na lobby donc okoki ko kausa yango tout comme okoko consommer yango lokola ti. Soko lingi nako obangi ko li yango lokola ndunda okoko consommer yango lokola ti. Donc c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Si on a fait sungayo makasi parce que eko renforcer système immunitaire, ça va nettoyer le corps, ça va vous faire du bien. Donc c'est un arbre qui vous fait beaucoup de bien. Son huile, bah écorce non, ces écorces, ça soigne. Sous d'autres circuits, bande on a biso na Afrique, mususu na Afrique de l'Ouest, bah comment ko utiliser en na position nyonso, bah comment ko extraire bah huile nango à partir à bah graine, à partir à matiti, à partir à bah écorce nango. Donc c'est un arbre qui est très très riche. Je vous ai montré, je le mangeais, vous avez vu. Donc ça nango il aura bah bolaté, comme ça c'est comment oh na biloko bah bola. Nzamba sala biloko ba bolate na ya ba richité. Donc nyon son nzamba sala et ça l'importance nango na se a moi. Donc okoki ko utiliser poudre nango. Okoki ko utiliser matiti nango, lokola tisa, problème ezate. Poudre nango donc amusez-vous à le prendre même temps que tu es dans le bureau hein, surtout si tu as tout ça là tu es mais là dans le bureau au coquille juste au fond au lit aux uns à ma boîte une barbe pembeni en tout cas au copain là pendant la journée tu te sens fatigué tu prends un peu de baobab tu mets dans ton lait ou le lait caillé pendant la journée ça va t'aider et au comble même nzala aux uns nango bien et puis écoper ça yo appétit. Alors pourquoi ne pas valoriser cet arbre? Est-ce que devons-nous encore continuer à couper, à massacrer cet arbre, cette richesse que Dieu nous a donnée? Bien aimé, makambo nyonso tozo sala. Bible le bito ko sambisa. Même pour na banzete tozo kata, tozo négliger. Moi je suis sûr que Dieu nous demandera même des comptes. Oyo yo, banoko sala 6 mois na hôpital. Alors que tu avais tout en RDC pour que tu sois en bonne santé. Mais pourquoi tu as fait 6 mois à l'hôpital? Simplement parce que nous avons plus confiance na oyo uti na mboka bapaya que oyo nzamba pe sibiso kati na mboka na biso. Donc biloko modèle oyo c'est vrai le bana yebaki te mais sikoyo oyebi. Désormais mutu soko moni azo masaka nzeta baobab. Comme défenseur à baobab, to batela yango, to salela yango. To valoriser yango c'est parmi les richesses to belela kaka te to vanta kaka te ba or ba diamant ba étain ba cuivre te richesse mususu yango to zana matite zo soani to koki ko transformer on a ndenge to sepe et vous serez ben matite nango na bi le jeune hein, jeune feuille okola mon rôle en fumba mais kanano comme ça prochainement ko benga pour pesa biso témoignage que non maman na meka ki matite a baobab. Je crois que Ekozala Kito, qu'on occupe qu'on l'éga, au pays si bien sûr recette au sali parce que
Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon qu'il nous inspire nuit et jour de la nature. Nous apprenons beaucoup de la nature. Et moi, je conseille toujours aux amis, il y a des moments où tu ne sais pas prier. Makambele ki le komi tellement dépassé. Oui, oso koko sambela. Tozo bati atana bina sambela. Nakoyi sanzambe ni. Va, contemple Dieu dans la nature. Regarde tout ce qu'il a fait. Observe les oiseaux. Natango par exemple, paipai était là. Yo za distrait. Ndeke azo jimele ke no eteli, il faut nalia. Natango baoba est comme une maturité. Maka kwazo talabi. Moi je veux me servir. Et pourquoi pas nous les humains? Pourquoi nous ne pouvons pas nous servir de tout ce que Dieu a créé? Apprenons s'il vous plaît, chers téléspectateurs, à valoriser, à revenir à notre régime alimentaire, parce que chaque peuple que Dieu a créé a sa culture, a même son régime alimentaire. Congolais a quoi qu'il y a le col à français. Congolais a coqui collier le col à chinois. Chinois a coqui collier le col américain. Américain a lié le col à vietnamien. Belge a lié le col à congolais. Bien que les autres comme un mélange à ma culture. Mais chaque peuple que Dieu a créé dans la culture, a même un régime alimentaire. Donc, tant que nous autres, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des Oulie ma desu na mbala makoko kumi sinzambe et la vie continue. Ozana nzeta baba na lopango banda ko entretenir ango. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. Nous sommes là à votre disposition. Pour na plus d'usage ya baba, posez question na solingi mais bon pesango bana régulièrement. Soro moni mwana zo tafune ango tika ya tafune na ye. Parce que biso ba adulte to koma distrait. Tout ça tellement plongé dans la technologie que to koma trop distrait. Alors, encourageons les enfants à les consommer, encourageons les enfants à apprendre à préparer le jus de baobab. Ce n'est pas compliqué. Soko za na ba graine nango okola lisango na mai. Na 500 ngwe msusu na sinda, nako 500 na sinda, nako 500 na moringa. Donc vous serez réellement béni. Au lieu toujours de dépenser, aller acheter des jus commerciaux, apprenez à faire le jus avec ses fruits. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et de bénir votre famille. Et en plus, apprendre à économiser. Parce que tant que vous salez là, vous avez valorisé la nature quelque part, vous avez réduit les dépenses sur le plan financier. Et nous pouvons économiser au maximum. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci pour votre attention. Et si Christ ne revient pas, nous nous reverrons prochainement pour un autre numéro. Bye bye.